Bonjour mes amis, salut salut, comment allez-vous aujourd'hui mes amis, en ce magnifique printemps qui est vraiment absolument génial. Alors aujourd'hui petit vlog, alors c'est pas vraiment un vlog sur la chaîne mais un vlog en général. Hein, on va aussi parler de d'autres choses de la chaîne. Et on commence par tout de suite, en fait. Alors, ces derniers temps, vous avez pu voir et constater, je mets quelques vidéos j'ai sur le balcon, j'ai un appartement, qui est une série qui marche assez bien. Donc, je vais, pardon, je vais continuer un petit peu. On aura. Il y aura une vidéo qui va sortir demain ou après-demain, on verra. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà évolué entre-temps. Des réussites, des échecs. Mais voilà, comme je vous dis souvent, pour réussir, il faut avoir des échecs. Mais comme je dis, les essais, donc, on verra. Mais je vous en parlerai au moment venu dans la prochaine vidéo. Et donc, je tiens vraiment beaucoup à cette série de vidéos parce que montrer ce qu'on peut faire en appartement, je trouve ça très intéressant. Puisque tout le monde ne peut pas faire comme on veut en appartement. On est toujours très limité en place. Voilà. Donc, moi, je trouve c'est très intéressant, très enrichissant de vous montrer comment on fait. Et. Mais aussi ça peut permettre ah bah tiens ils ont fait comme ça mais moi j'ai pensé faire comme ça, vraiment que ça soit évolutif en fait. Et c'est une série une vidéo qui marche bien franchement moi je suis complètement pour continuer cette série vidéo il y en a un troisième en 3 4 5 hein. Ah, évidemment, au bout d'un moment, on n'aura plus rien forcément ici. Enfin, on aura toujours quelque chose, mais voilà. Bref, ça c'est pour cette série de vidéos. Voilà. Juste pour vous montrer semi-live. Là, c'est le Mac qui est extrêmement grand, qui va grandir. Enfin, on a dit carottes, mais si on voit bien, parce que évidemment, le confinement n'est pas fini, il ne sera pas fini le 15. Pardon, donc avant de parler tout ça, surtout en parler parce que voilà, ça fait un moment que ça dure, c'est très souvent parler de Corona, tout ça, bon, on va pas en parler, mais enfin bon, voilà, le reconfinement sera prolongé, hein, faut s'attendre jusqu'à mi-mai, juin, hein. On voit la situation en Chine, combien de temps va durer, ce qu'ils ont mis en place aussi pour éradiquer le bordel là-bas, donc forcément. Comme vous voyez, le retard que les grands bonhommes ont pris le retard qu'ils ont pris pour mettre en place les choses à faire, et bien qu'encore au début ils disaient ce n'est pas la peine, donc on y est encore pour le mois de juin. Genre ici, c'est vrai que c'est compliqué, imaginez quand il fait beau comme ça. C'est très important, on va y la tête. Pour ceux qui ont les jardins, vous avez peut-être pu voir que tout ce qui est jardinerie est ouvert. Alors, il faut savoir que dans les jardineries où il y a des produits animaux, donc il y a alimentaire, tout ça, c'est les magasins qui sont restés ouverts. Enfin, ça dépend. À la bonne volonté du patron, mais en général, celles où il y avait des produits alimentaires sont restées ouvertes et les autres
Il n'y avait pas, par exemple, rien ouvert, des rien passé comme quoi le jardinage, on disait, par guillemets, enfin, le jardinage, avant le semis, on disait, dans le cadre du fait que c'est des produits premières nécessités. Alors, pour ça, on peut dire, bon, bah, le jardinage, on disait, ensuite, on a la chance d'avoir un terrain. Alors, si c'est un terrain, ouvert à votre maison, vous en foutez. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, oui, à votre immeuble, c'est encore mieux, aussi, enfin, à mon maison. Mais si jamais vous deviez devoir faire un peu de chemin, renseignez-vous par rapport à votre région, parce que ça, je pense que c'est. Disons, on vous cherchait, c'est pas très clair. Voilà, bon, dans certaines régions, cherchez l'info par vous-même, c'est ce qui est mieux. Parce que voilà, donc nous, agions ici, là, agions, j'invente des mots, c'est bien, agionner. Voilà, mais bon, renseignez-vous ben, par rapport à votre ville et puis à votre région. Bon, voilà. Voilà. Ensuite, on va parler encore de la chaîne, évidemment, hein, la chaîne. Donc, pas faire des vidéos extérieures tout ça donc, pour l'instant ça c'est assez bloqué bon voilà la chaîne augmente bien ces dernières semaines là elle augmente bien c'est vraiment génial vraiment ça pas neuf bon on va voir un petit peu dans les prochains hein. Voilà. Pour les vidéos qui sont survivalistes alors j'aurais un train encore à faire. Voilà, je mettrai ça une fois en ligne, qui sera fait. Mais bon, voilà, disons que ça prend le temps pour faire ce genre de choses. Et sinon, après, voilà, confinement, bon, voilà, on va parler, mais si vous avez un jardin, vous ne voulez pas prendre le risque, il est bien, évidemment, de prendre le temps du confinement pour faire vos semis chez vous. Pour essayer de faire en sorte de rattraper le retard en gros pour éviter de perdre du temps dans le jardin. La saison sera quand même assez bien entamée. Parce que cette année va passer très très vite. On va avoir des confinements et encore, il y en a qui pensent pas. On aura, je pense, mais ça va être encore plus de bordel. Hein. Mais ouais, on va se retrouver en septembre, on n'aura rien. Puis en plus, pas de vacances, enfin bref, on essaie. Donc ça va être une année qui va être assez spéciale, il va passer très vite. Donc si vous avez quoi pour jamais, faites-le. Résilience, et puis oui, j'avais fait un mélange mot, un autre mot résilience, alors c'est le mot suffisance. Voilà. Donc, suffisance, ça commence par le jardin aussi. Voilà. On va éviter de mettre dans la pagaille quand il y a des problèmes comme ça. Voilà. Donc, voilà. Sur la chaîne, après, j'ai pas plus à dire puisque les vidéos sont comme ça. Au fur et à mesure, je vais pas parler tous les jours de corona, je vais pas vous parler de comment se préparer tout ça. Voilà, voici. Là, j'ai fait les vidéos, voilà, j'ai dit ma propre réflexion. Donc, voilà, maintenant c'est un voilà, moi je suis là pour aider. Enfin, je suis loin d'être un grand monsieur, même si je fais 1m92, c'est pas un sujet. Mais voilà, sur la chaîne, on va parler de ce que j'ai en réflexion et du potager. Je vais refaire une vidéo sur ce qu'il y a comme matos à avoir dans sa d'évacuation ou autre. Mais pour l'instant, ça me semble pas. Alors dites-moi si je me trompe, mais ça me semble pas très important de parler d'évacuation aujourd'hui. Pas très dans le cadre et voilà après
On verra. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein, si ce n'est que. Voilà. Si ce n'est que c'est cool de voir la chaîne qui monte. Alors, est-ce que c'est lié au Corona? Pas savoir. Maintenant. Bon. Voilà. Alors, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention. Hein, masque ou pas masque, démerdez-vous comme vous pouvez pour être au mieux protégé. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, je vais pas donner les leçons. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il y a des solutions. Même actuellement. Allez, ciao!